Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit bonnet en taille 6 à 1 an au point d'ananas avec deux tresses, un pompon. On va commencer. Par faire une chaînette de 53 mailles. 1, 2, 3, 4. Voilà, la chaînette est faite. Maintenant, on va faire en demi-bride dans chaque maille. C'est-à-dire, un jeté, vous piquez dans la maille à côté, vous ramenez une boucle, un jeté, et vous ramassez les trois. On pique, un jeté, on pique, on ramène une boucle, un jeté, tout ça jusqu'au bout de la ligne, sans oublier au bout de la ligne deux mailles en l'air, et comme ça trois tours. On se retrouve après. La bordure est terminée, trois lignes de demi-bride. Nous allons rassembler les deux bouts et coudre. Vous faites attention à la maille. Regarde bien, si. Fait plusieurs tours, comme ça on peut couper à rang. Voilà. Comme ça, là, on peut continuer. Nous allons faire maintenant une rangée de points d'ananas. Je reprends bien le milieu. Donc, trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Un jeté, vous piquez dans la même maille, vous ramenez une boucle, un jeté, vous piquez dans la même maille, vous ramenez une boucle, ça fait deux fois, un jeté, vous piquez dans la même maille, vous ramenez une boucle, un jeté, vous glissez, mais vous laissez deux mailles, un jeté, vous coulez les deux autres, une maille en l'air, un jeté, on va les piquer dans la deuxième maille et on refait le même, un jeté, une fois, là on fait la deuxième fois, un jeté, on ramène une boucle, ça fait trois fois, un jeté, on coule sous les boucles, on laisse deux mailles, un jeté, on coule les deux autres, une maille en l'air. Je vais en refaire un jeté, on pique dans la deuxième maille, on ramène un jeté, vous repiquez la deuxième fois, vous ramenez une boucle, un jeté, une troisième fois, vous piquez, vous ramenez une boucle, un jeté, vous coulez les mailles sauf deux, hop, un jeté, et hop, une maille en l'air. Vous voyez, point d'ananas. Maintenant, si vous voulez plus gros, je vais vous montrer.
Moi, je fais en trois fois. Un jeté dans la même maille, dans la deuxième. Ça fait une fois. On pique, on ramène une boucle, un jeté. Ça fait deux. On pique, on ramène une boucle, un jeté. Ça fait trois. Et on va faire quatre. Pour que je vous montre qu'est-ce que ça fait en plus gros. Mais moi je fais en 3, je trouve que c'est suffisant. On va faire ça tout le tour, on se rejoint après. Voilà, on arrive à la fin de la ligne. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire le dernier point pour vous montrer. Voilà. On va les piquer en maille coulée au-dessus de l'ananas, le premier ananas. Voilà. Maintenant, on va faire une maille en l'air. On retourne au travail et on va tricoter dans chaque maille. On va tricoter en maille serrée. Dans le trou, une maille serrée. Au-dessus de l'ananas, une maille serrée. Dans le trou, une maille serrée. Vous faites ça tout la ligne. Ensuite, vous fermerez par une maille coulée à la fin du tour. Et de l'autre côté, vous ferez le point d'ananas. Un tour sur deux, une maille serrée, point d'ananas. Une maille serrée, point d'ananas. On se rejoint après. Voilà, le bout est terminé. Point d'ananas. On va maintenant, vous avez fini par une maille serrée. Vu qu'il fallait faire un point d'ananas, une ligne de maille serrée. Un point d'ananas, maille serrée. On va maintenant commencer à diminuer. Donc, on va travailler en demi-bride maintenant. C'est-à-dire, un jeté, on pique dans le trou, on ramène une boucle, un jeté, et on coule tout. Et ça dans chaque point. Mais, là ça fait 2. Au bout du 10e point, il faudra diminuer. Donc je vais vous montrer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le 10e point, on passe une maille et on va dans la maille à côté, la deuxième. Voilà, une diminution jusqu'au bout du tour. Pendant 4 lignes, vous faites des demi-brides pendant 4 lignes en diminuant tous les 10 points. A tout de suite. Voilà. C'est terminé, les 4 tours. Nous allons passer maintenant au 5e tour. Et là, on diminuera une maille tous les 8 points. C'est-à-dire, je vais vous montrer, toujours en demi-bride, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et arrivé au 8e point. Le 8e, vous le faites dans la deuxième maille, vous passez une maille. Et ça pendant 2 tours. Voilà, les 2 tours sont faits. Maintenant, on va refaire le même. En demi-bride, un tour, 1, 2, 3, 4, 5, et la 6e, on passe une maille. Tout le long du tour comme ça.
Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Vous allez voir que ça diminue. Voilà. Finir le tour et on se rejoint après. Voilà. Maintenant, on va passer tous les quatre mailles. Diminution. Alors, une maille en l'air, une double, une, deux, trois, et la quatrième, vous la passez, une, deux, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voir ce que ça donne, oui, 1, 2, 3, 4, ouais. 1, 2, quand on arrive à la fin comme ça, après on fait une maille coulée, une maille en l'air, on va regarder un peu. Et vous allez finir tous les deux mailles diminution, c'est-à-dire une, deux, une, deux. Ça diminue jusqu'à temps qu'il vous reste 2-3 mailles avec le propos, on verra rien. À tout de suite. Voilà. Le bonnet est terminé. Il ne manque plus que le propos et les tresses. Les tresses, j'ai mis un fil rouge ici. Et là, je vais vous montrer à peu près, vous regardez. Il va falloir faire comme là vous rentrez la laine dedans, vous faites un nœud qu'on rentrera le bout après en dernier, de toute façon avec la tresse ça se verra pas, vous piquez une, deux, trois et vous allez dans la deuxième, une maille coulée, une maille couler à côté, hop, et on coupe le fil. Je vais vous expliquer. Bon, ça, je vais vous montrer comment on rentre le fil. Hop, je vais aller à l'arrière. Faut pas que ça se voit. On rentre comme ça. Il n'y a pas de problème, ça s'en ira pas. Il n'y a rien qui se voit. Je vais couper le fil. Celui-ci, il faudra en faire autant. Mais regardez, ça fait un petit anneau. Donc, pourquoi? J'ai découpé. Enfin, découpé. J'ai fait 10, une trentaine de fils, longueur 65 cm pour les tresses. Donc, on plie en deux. Voilà. Pour bien que c'est égal, bon, à la fin, on coupe. Vous prenez bien la moitié
Vous prenez votre crochet, vous le mettez dans le petit anneau. On va rentrer ça dedans. 1, faisant attention comme ça, voilà. On regarde si tous les fils y sont. C'est pas évident. Là, ça y est. Donc, je vais rentrer comme ça, la tresse. Et on va tirer jusqu'à temps que ça fait un beau nœud. De côté là, du côté là, tout partout, tous les fils. Pour avoir un beau petit nœud. Ça commence à... Là, je retourne. Eh ben, voilà, tout partout. D'accord. Ah, il y a des fils que j'ai pas tirés. De la patience. Je crois que c'est de l'autre côté. Ah ben. Voilà, maintenant, on va diviser ces fils. Voilà, et on va commencer la tresse, je vais vous montrer. Comme ça. Là, vous la serrez bien, pas trop non plus. Ça glisse, hop, hop. Ça dépend la longueur que vous voulez. Ça fait ça. Voilà. M'insérer. Voilà. Bon, moi je crois que je vais encore faire. Voilà. Je crois que c'est suffisant. Maintenant, on va lier ça. On fait déjà ça pour bien, voilà, bien serré, en faisant 2-3 nœuds, hein, comme vous voulez, mais au mieux que c'est du costaud. 1, 2, je vais retourner la tresse, je vais refaire là, pour être bien sûr. 1, 2, on coupe, pouf, voilà, et maintenant, ça aussi c'est comme vous voulez, je vais les couper à peu près comme ça, voilà, voilà, il manque plus que le pompon, il est sur ma chaîne sur YouTube, si vous voulez aller voir, pour le pompon. Et là, je l'ai fait en blanc, mais je vous le montre terminé. En moucheté.
J'ai fait en blanc parce que j'étais en panne de laine comme ça. Mais là, voilà le bonnet. Alors il ne manque plus qu'à faire le pompon. La deuxième tresse. Et voilà, c'est tout. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau tuto si vous le voulez bien. À bientôt.